Si les enfants de Gagnois sont divisés, votre premier rôle, c'est de nous rassembler. Que nous soyons dans un parti X ou Y, ce qui doit compter, c'est être fils, fille et fils de Gagnois. Ça doit être le premier élément, ça doit être celui-là. Loin de nos divergences politiques, nous devons pouvoir nous retrouver pour que Gagnois aille de l'avant. Il n'y a pas de barrière entre nous. Et j'invite les populations à nous accompagner dans cette paix et dans cette cohésion dans le corps. Il n'y a pas de barrière entre les hommes politiques que nous sommes. Je peux rentrer tranquillement chez le ministre Ginkawe. Chez Papa Bagnon, c'est ma maison. Youssouf, c'est mon fils. Il n'y a pas de problème entre les élus. Donc, cher chef, accompagne-nous. Si vous entendez des bruits de couloir, convoquez-nous. Nous allons venir parce que nous sommes vos enfants. C'est vous, mon papa. C'est vous les garants. Si Gagnois brûle, on va peut-être regarder les élus. On dira les chefs sont où. Lorsque le président a décidé de faire de la Chambre des rois une institution, c'est parce qu'il y avait un rôle derrière. Et ce rôle-là, c'est de préserver la paix là où vous êtes. C'est d'amener l'union et la cohésion là où vous êtes. Donc ne restez pas assis si vous sentez que vos enfants ne se comprennent pas. On peut être tous du même parti politique, et j'aime à le dire. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes juste des adversaires pour une période, la période électorale, et ça s'arrête là. Et c'est ce qu'on doit retenir. Permettre que les conflits soient réglés de manière pacifique, peu importe les conflits.